Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, c'est la fin de la moisson. Et pour cela, j'en ai profité pour rendre visite à François Maxime, Instagrammeur agricole plus connu sous le nom de Paco Agri. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut Paco. Salut Arthur. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah nickel. Bon, t'es en pleine moisson du coup? Ça y est, année compliquée. Ouais, comme partout. Voilà, c'est un peu... On attendait un été, on n'a toujours pas eu d'été, mais... mais du coup, ouais, moisson tardive. D'accord. Mais c'est urgent de le faire, parce qu'il commence à y avoir du verre qui remonte dedans et tout ça, donc... Donc on s'y a faire. Ça se fait quand même. Ouais, on devrait finir aujourd'hui, donc c'est bien. Toi, Paco, t'es agriculteur? Alors... À côté de ça, t'es Instagrammeur? Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, comment tu es devenu Instagrammeur, déjà ton activité d'agriculteur pour commencer? Ouais, donc c'est une ferme de polyculture élevage, atelier lait. Donc il y a des robots de traite, il y a autour de 120 vaches laitières. Donc après avec la SAU qui va et donc les différentes cultures qu'on peut faire pour les vaches principalement. Ouais. Là le blé, on en a une partie qu'on garde, une partie qu'on livre. Et après aussi maïs, betterave, colza. De la betterave? Ouais, je fais de la betterave que. Fourragère du coup. Betterave fourragère pour les bêtes, ouais. J'essaie d'avoir au moins 6 mois de betterave. D'accord. Je fais de la luzerne aussi. Et donc pour ça l'apport, t'apporte une valeur alimentaire supérieure peut-être? Ouais, ou... l'apport en sucre et puis aussi en fait, enfin j'adore ce produit. Ouais. Ça permet de voir assez facilement si des vaches vont pas bien. Hein. En fait, c'est une vache qui vient pas manger de la betterave, c'est qu'elle est pas en forme. D'accord. C'est comme un bonbon pour un enfant. Ok. Donc c'est le même principe et surtout ça améliore ses taux. Donc en qualité du lait, c'est pas mal. Et puis la luzerne aussi pour essayer de pallier à l'achat de protéines extérieures. Quoi. Ouais, mais après, on n'arrive pas encore à s'en passer, mais on y réfléchit. Et tout à l'heure, je te voyais en arrivant que tu étais avec ton portable en train de te filmer, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Alors, en fait, moi je suis présent sur Instagram depuis maintenant 3 ans. En fait, avec Pauline, mon ex-compagne, on a fait une émission de télé qui justement traçait notre quotidien. Ouais. Sur la chaîne Sister. D'accord. Et du coup, ce qui nous a propulsé sur les réseaux sociaux. Et de ce fait, en fait, on est monté assez rapidement en nombre d'abonnés et en nombre de personnes qui nous suivent. T'es devenu un peu une star, quoi. Ouais, la star du petit écran. Mais non, après, ça reste quand même à une échelle humaine, on va dire. Mais c'est vrai que, mine de rien, ça prend du temps. Mmh. C'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait, de partager mon quotidien. Que ce soit avec mes enfants, avec mes activités extérieures, la ferme évidemment pour pouvoir justement promouvoir notre métier et montrer la réalité dans les fermes. Ouais. Surtout que je suis bien placé pour en parler de la réalité parce que on va dire que j'ai pas eu des choses simples depuis mon installation, donc c'est des épreuves qui forgent et qui grâce aussi à Instagram te permettent de passer des épreuves difficiles vu que tu communiques avec les gens. Avec le soutien des personnes. Ouais, t'extériorises et du coup c'est plus facile. D'accord. Enfin, je trouve, pour moi en tout cas, parce que le monde agricole est un monde quand même très fermé. On a quand même, c'est un métier qui est très compliqué. Et du coup, les gens souvent s'enferment dans leur exploitation, dans leur cocon familial, ouais. et extériorisent pas forcément leurs problèmes. D'accord. Et je pense que c'est un souci dans l'agriculture d'aujourd'hui. Et donc, en parlant de réalité, est-ce que tu peux nous expliquer en général, en global, ce qui t'est arrivé un peu? Moi j'avais racheté une exploitation en 2016. Mon père avait déjà une exploitation historique avec des membres de ma famille qui ont eux voulu arrêter. Moi du coup on voulait reprendre et associer les deux structures. Mais en fait les choses se sont pas du tout passées comme prévu. Mais les investissements ont été faits. Enfin voilà, ça a été très 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 compliqué. Enchaînement de problèmes peut-être ou... Ouais, c'est surtout ce problème-là. Après, je l'explique d'ailleurs sur une vidéo YouTube. Ouais. Donc si les gens veulent voir... Allez voir la chaîne YouTube de Paco si vous elle souhaitez. Elle est dessus. J'alimente pas beaucoup. Un jour peut-être plus, mais... et il y en aura une bientôt normalement. D'accord. Donc voilà, pour synthétiser un petit peu le truc, y a eu beaucoup d'éléments contraires en fait pour la réussite du projet, qui était un projet ambitieux parce que c'était de robotiser à 100% l'exploitation.
C'était de travailler à un UTH et demi, voire deux. Enfin, trois au global, parce que je délègue de 100% des activités des terres. À une UTA Ouais, aujourd'hui d'accord. À une UTA. Donc ça représente quand même quasiment un UTH. D'accord. Donc c'est pas négligeable. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, un petit peu quoi. Ok. Arthur, la remorque est bientôt vide là. Ouais. Donc on va repartir avec la remorque voir les batteuses et voir le chantier de battage. Ouais, ça marche. Ça roule. Voilà sur le chantier de moisson, bah quoi. Bon, bah ouais, Arthur, ça y est. On y est. Avec Vivi. Bah, Paco, là, aujourd'hui, t'en es arrivé jusque-là. Enfin, t'as passé beaucoup d'épreuves. Comment est-ce que tu vois ton futur au sein de ton exploitation? Comment tu appréhendes l'avenir de l'agriculture? Je parle plus dans l'agriculture dans sa globalité. Parce que moi, au sein de mon exploitation, on va plutôt marcher par étapes et puis. La visibilité est assez compliquée à avoir quand même. Mais déjà de retrouver de la sérénité. Et puis après les choses viendront au fur et à mesure. Mais autrement, je suis un amoureux de l'agriculture avec un grand A en fait. Donc que ce soit du lait, de la volaille, du cochon, des légumes, des céréales, enfin voilà. Et voire même plus de choses atypiques, je suis un amoureux d'apprendre plein de choses. Et donc je pense que l'agriculture française est quand même la plus belle agriculture du monde aujourd'hui, qu'on continue sans cesse de faire des efforts, qu'elle est malheureusement très peu rémunératrice, c'est un secteur, on a l'impression qu'on est un peu lâché à nous-mêmes. Il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de support réellement, donc c'est plus ça qui est compliqué. Celui qui est capable de dire à quoi ressembleront les fermes dans 10 ou 15 ans, il est très fort. Ouais. Parce que je pense qu'il y aura toujours autant de sortes d'agriculture. Et je pense qu'il y a besoin de tout le monde. Et c'est surtout ça le plus important. C'est que faut pas segmentariser les agricultures. Je pense qu'il y a besoin de tout le monde, il y a besoin de toutes sortes d'agriculture. Tout à fait. Et les générations de demain choisiront là où ils sont mieux en fait. Et c'est ça le plus important. Ça c'est beau ça. Voilà. Hein? Est-ce que tu feras des vaches toi? Non. Non. Tu feras du tracteur? Oui. Ah oui. Du coup on fera les céréales. L'avenir est assuré. Non. Ouais, bah, ça se ressent de toute façon à travers tous les réseaux. Comment tu communiques à travers tes stories, à travers tes messages. Comment tu mets en place ta communication positive liée à l'agriculture et comment tu défends tes valeurs. Je pense que c'est important en fait. L'agriculture a été lâchée. Enfin, était. Je veux dire, on n'ouvrait pas les portes des fermes. On parlait de nous qu'en négatif au niveau des informations. Enfin voilà, à chaque fois qu'il y avait un reportage à la télé, c'était toujours pour plus ou moins dire que c'était pas bien, qu'il y avait des pesticides, qu'il y avait des abus, etc. Malheureusement, des abus, il y en aura toujours. Entre des brebis galeuses, il y en aura tout le temps. Mais pour moi, c'est important d'avoir de se dire que les générations d'aujourd'hui ont quand même un sens
agronomique, un sens, enfin voilà, techniquement, aujourd'hui, les gens sont quand même compétents et raisonnés, quoi. Et raisonnés. Alors moi, c'est le plus bel exemple. Là, il n'y a pas eu de désherbage. Au vu de ma situation, c'était compliqué économiquement, donc il n'y a pas eu de désherbage. Il n'y a eu qu'un passage, d'engrais. Mm. Et on peut se rendre compte que bah voilà, c'est pas si mal que ça, mais c'est pas une céréale, enfin c'est pas comme ça normalement qu'on travaille quoi. Mmh, après c'est les choix de chacun, mais moi un champ comme ça avec autant de verre et tout ça, c'est pas des choses qui me plaisent, mais ça peut fonctionner aussi. Bon, merci à vous d'avoir pris le temps de me recevoir. C'est... Et puis une prochaine et bonne continuation Paco. Merci à toi. À la base de la chaîne alimentaire, l'agriculteur, maillon essentiel dans le développement de l'humanité, a toujours cru en l'avenir de son métier. Retenons la persévérance de ces agriculteurs et soutenons-les dans leur travail, quelles que soient les initiatives. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et bon week-end à vous.